Bonjour à toutes, à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Darkest Horror. Non. Non, pas très... Attends, je la refais. Attends deux petites secondes, moins 10% du temps de rechargement de l'équipe de contrôle des avaries. Oh ouais, ça vaut le coup ça en plus. Donc, bonjour à toutes, à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de... World of Warships, ça y est, je me suis pas gouré cette fois-ci, j'ai réussi. Donc j'espère que la dernière vidéo vous a plu et donc on va directement en refaire une autre. Hein. À la place de faire du Darkest Horror cette semaine-ci, ça sera du World of Warships et Darkest Horror, ça sera pour la semaine prochaine. Donc voilà. Bonjour. Voilà, et Reda qui est avec nous, je l'avais oublié celui-là. Alors on va encore faire un peu la marine américaine, hein. Faut dire qu'on a beaucoup joué avec la marine impériale les dernières fois. Donc je vais prendre le Caroline du Sud, désolé, on retourne sur les cuirassés, hein. C'est comme ça. Après je prendrai le Clemson, et ensuite s'il reste encore un peu de temps, je prendrai le Langley. L'anglais qui est donc le porte-avions que j'avais pris à la fin de la vidéo précédente. Donc voilà, on va vite faire une petite ellipse et on se retrouve directement en bataille. Voilà, fin de l'ellipse, on se retrouve en bataille donc avec la marine américaine. Le fameux cuirassé California Nord, je pense. Nord California, je sais plus comment. Non, Californie du Sud, c'est pas grave. Californie du Sud, bon, mais c'est pas grave, hein. On s'en fout à la limite tant qu'on joue. Bah, je pense que les prochaines vidéos sur ce jeu-ci, bah, je vais essayer de les faire historiques, hein, donc je vais essayer de m'en renseigner. Après tout, c'est demain jeudi, donc jeudi 18. J'avoue, on tourne en avance avant que ça sorte. Mais jeudi 18, j'ai fini mes examens, donc je vais être en vacances. Et en juin, je crois que j'aurai quand même pas mal de temps. Donc j'essaierai de trouver des informations historiques sur les bateaux. Et comme ça, je ferai à peu près comme dans World of Tanks. Et je finirai aussi la vidéo sur le Tigre 1. Parce que je pense qu'elle a assez duré, il va falloir que j'explique un peu Hans Wittmann, l'as des tigres. Donc pour l'instant, on va quand même se contenter des bateaux, hein, c'est déjà bien. Donc je te rejoins, mais t'occupes à te barrer au loin, toi. T'as décidé de me fuir ou quoi? Shianaha. Shianaha. Moi aussi. Non, j'ai dit je vais vers A. Je vais vers A. Moi j'avais compris Snyara. J'ai dit Iganarha. Ah, oh putain, mais si tu commences à parler une autre langue, ça va pas le faire, hein. Tu sais, je parle juste néerlandais. Ouais, je sais, ça fait partie de notre pays, mais je pense que la grande majorité des gens qui regardent viennent de France, tu vois. Ils parlent pas néerlandais. Enfin, y en a, ouais. À mon avis, il y en a pas beaucoup qui parlent néerlandais en France. Anglais, je veux bien, mais néerlandais, ça m'étonnerait. Donc, voyons voir. Faut savoir que j'ai toutes les améliorations de ce navire, hein, pour l'instant. Du coup, j'ai des trucs que mon ami Redak n'a pas, genre la fortification sur la passerelle. Genre, ici, vous voyez, là, fortification est là. Tout ça, il n'a pas. Je pense que les trucs de vigile, tu les as pas non plus, je suis pas sûr. Donc, j'ai quand même quelques aspects graphiques supplémentaires que mon allié et coéquipier n'a pas. Donc, peut-être qu'un jour tu y arriveras à les avoir. The enemy team take a leave. Donc, ça veut dire les ennemis ont pris l'avantage. Je pense que ça veut dire ça, je suis pas sûr. Mais ça me semblerait logique. Je sais pas ce que t'en penses. Un rédac, monsieur le concentré. Bah ouais, mais je parle pas anglais. Tu parles pas anglais, mais. Tu parles néerlandais, hein. C'est pareil que chinois ce truc là. Enfin, faut dire qu'en Belgique, normalement, le néerlandais est une des langues principales du pays, mais j'y arrive pas du tout. Je suis plus fort en anglais et pourtant je suis nul en anglais. Hein. J'ai réussi à me faire un 8 sur 20 aujourd'hui en anglais. À l'examen. À l'oral, hein. La lecture, je lis très bien l'anglais. Enfin, très bien, façon de parler. J'ai eu 18 sur 20. C'est pas encore le maximum. Et l'audition, ça passe encore. Mais j'arrive pas à improviser à dire des trucs en anglais, donc... Pourquoi je parle d'anglais, moi? Parce que je parle néerlandais. Putain, non, mais... non, parce que ils avaient pris l'avantage en anglais, là. Ah ouais. C'est de ta faute, moi, je te le dis. C'est de ta faute si j'ai commencé à parler de mes cours et tout. Ouf, si t'as vu que je te parle de mes cours, moi... T'en as plus.
Je me nomme plus, mais quand j'avais un lock mort de latin. Hein. T'as fait du latin? Ouais. Cette merde-là? Ouais, un jour, fait... Chuck Norris eut 0 sur 20 en latin. Depuis, c'est une langue morte. Je la trouve tellement excellente, cette blague de merde. J'ai eu 8 sur 100 en latin. 8 sur 100? Ça fait tellement mal. Moi, c'est sur 20, tu vois, mais pour moi, c'est pas la même chose. Comment on en est arrivé là? Ouais, mais à mon époque, c'était sur 100. À ton époque, c'est vrai que t'as un vieux de la vieille, toi. Hein. Au fait, c'est ta femme la plus vieille ou c'est toi? Ça te dérange, ça, ça? Non, mais c'est une question comme ça pour me dire un peu c'est qui le plus vieux, tu vois. Le truc qui a rien à voir. Allez, avance, saloperie. Il y a un cuirassé là-bas. Tu t'imagines, j'aurais pu déjà lancer des torpilles sur des gens si j'avais eu mon porte-avions. En réalité, j'aimais pas les porte-avions avant, hein, parce que franchement, voir les trucs de haut, j'aime pas trop. J'aime bien pouvoir me déplacer comme sur tous les autres navires. Le problème, c'est que ils sont, enfin, les porte-avions sont quand même badass, quoi, quand ils balancent leurs torpilles et tout ça. Par contre, un truc que je n'aime pas trop sur les porte-avions, c'est les avions. Non, pas les... Oh putain. Non, je veux dire les fighters, donc les avions qui chassent d'autres avions. Je les aime pas trop parce que, tout simplement, je les trouve trop lents par rapport aux autres et du coup, ils arrivent pas à rattraper les autres avions et à les retirer dessus. Moi, à chaque fois que j'ai balancé des avions fighters avec le porte-avions que j'ai, j'arrivais pas à toucher les autres avions en face et je trouve ça débile d'avoir un fighter qui arrive pas à tuer d'autres avions. C'est ça que j'aimais pas, c'est ça le gros bémol sur le porte-avions. Avec évidemment son système de conduite qui est totalement effroyable. Redak lui il sait pas ça parce qu'il fait que les cuirassés. C'est un gros fan des cuirassés, hein mon petit ami Redak. Ah, j'aime bien tout ce qui est gros moi. Oh là là, fallait l'avoir venir celle-là. Tout ce qui est gros. Pourtant, t'as pas l'habitude, hein. C'est nul. J'avoue. Non, j'ai pas l'habitude, j'ai la bite rude. Ah, elle est raide celle-là. Oh, blague de merde, mise à part, je trouve qu'on est descendu bien bas. Excuse, ça vient de toi. Ouais, c'est vrai, c'est moi qui ai modifié ta façon de penser, et c'est moi qui ai été corrompu, on va dire. C'est pas du tout vrai, hein, c'est l'inverse. Ouais. Bien ça, que vient, j'étais, ça vient de Dèche aussi. Et j'étais déjà bien siphonné avant de vous connaître tous les deux. Hein. Et je pense que Dèche, son problème mental, il vient de chez toi. Donc, non, parce que Dèche l'avait déjà son problème mental avant de nous connaître. Hein? C'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. Bah en fait, le problème de Dash, c'est qu'il parle jamais quand il joue. Hein, ou presque jamais. Il est encore plus concentré que toi. Je pensais que c'était pas possible. Bah si, il y a moyen. Même en cours. Hein. En cours, moi j'arrête pas de parler parce que j'écoute pas ce que les gens disent. Ça se voit que tu le connais pas sur World of Warcraft. World of Warcraft, il arrête pas de parler, c'est ça? Ouais. C'est parce qu'il est habitué à mon avis. Hein. Il faut dire qu'il fait le RL hein, sur WoW. Ouais. Mais sur World of Tanks, t'es d'accord qu'il parle que dalle? Ouais. C'est parce que là, y'a pas de RL. Mais à mort. Y'a pas de RL sur World of Tanks. Ah ouais. Mais c'est pas grave. Enfin, si, y'a moyen de parler. Y'a moyen de parler avec le truc du jeu. Parler aux autres. J'aime bien faire chier les Allemands comme ça. Tu sais ce que c'est que RL? Des Allemands dans le truc. RL. Réel, je sais pas, non. Non, RL c'est Red Lead. Red Lead. Ah oui, bah les raids quoi. Ouais, donc lui, puisque c'est le Red Lead, bah il est obligé de donner ses ordres. Oh, est-ce que c'est moche. T'étais pas aussi un des Red Lead toi sur la. Non, j'étais un des maîtres de guild. Ouais, c'est pareil hein. Non. Quand t'es un des maîtres de guild, tu peux être le Red Leader. Non. Non, pas forcément. Non, moi je red lead pas moi. Moi je m'arrangeais que tout le monde soit là au raid, je m'arrangeais que tout le monde apporte ses popos, ses flacons.
On est occupé à avoir un cours de WoW. C'est tellement épique. Je n'ai, pour dire hein, à tous les viewers, je n'ai jamais joué à WoW. Mon frère a joué à WoW, mes cousins ont joué à WoW, tout le monde a joué à WoW, mais moi je suis le personne qui a dit rien à foutre, je fais pas comme les autres, j'ai jamais joué à WoW. Voilà. Oh mais. Et en voyant Redak aujourd'hui à WoW, je suis content de pas l'avoir fait parce qu'il est devenu accro lui, hein. C'est incroyable. J'étais devenu accro, mais ici avec la dernière extension. Surtout avec ta femme, ouais. Avec ma femme aussi, mais déjà la dernière extension, je trouve que c'est devenu un peu merdique avec tout ce qui est le métier et tout maintenant. Il y a des gens qui aiment, c'est pour ça que c'est devenu comme ça, mais. Bah, pour tout vous dire, avant, je peux dire sans être peur d'être contredit, sans avoir peur d'être contredit que Redak était un gamer mais à crever, parce que tous les jours, on se retrouvait sur le PC pour jouer. Maintenant qu'il a sa femme, il n'es-tu jamais là. Je suis là aujourd'hui. Je suis là au moins une fois par semaine. Une fois par semaine. Formidable. Au moins. J'espère que tu seras là le week-end prochain. Le week-end prochain. Ouais. Quand? Au fait, tu vas à Waterloo, toi? Non, je vais pas à Waterloo, moi. Alors, pour tous ceux qui le savent pas, nous deux, Redak et moi, on est des Belges, hein. Ceux qui n'aiment pas les Belges n'ont qu'à arrêter de regarder les vidéos. Et je m'en fous, tout simplement. Et donc, on a la CM. Comment c'est ? La reconstitution de la bataille de Waterloo. Hein. Oui, on a des personnages célèbres français qui sont venus en Belgique. Hein. Je suis désolé, c'est comme ça. Napoléon Bonaparte. Et du coup, je risque d'y aller samedi, moi, la reconstitution de la bataille de Waterloo. Parce que tout simplement, j'adore l'histoire. Et comme point historique, je pense qu'on aura dur de faire mieux en Belgique. Enfin, sauf avec la fameuse. Le fameux fort Eden Enmal qui est à genre 10 minutes à pied de chez toi. Non, ça n'est plus à 10 minutes à pied de chez moi, mais arrête un peu avec ton Eden Enmal, on dirait presque que je dis Eden Hazard. Hein. Eden Hazard, non. Je suis pas un fan de foot, moi, comparé aux autres. Eden est mal. Je regarde de temps. Et c'est pas Eden, c'est Eben. Ouais, c'est Eben. À chaque fois, tu m'énerves. C'est la même chose. Hein. C'est Eden est mal. Tout ça, c'est de ta faute. Hein. C'est sûr. C'est le fort d'Eben. Eben. C'est un B. Ouais, je m'en fous. Donc voilà, on va vite faire une autre ellipse et on se retrouve directement après dans la partie avec. Moi, je vais prendre un destroyer cette fois-ci. Toi, tu prends quoi? Bah, tu prends quel niveau déjà? Niveau 4, j'ai presque que des niveaux 4. Bah, moi je n'ai que le Miyoji et le Yubari en niveau 4. Je n'ai pas l'américain en niveau 4. Mais prends le Yubari, tu vas aller plus vite avec ça. Le Yubari, ça va aller plus vite au niveau ça. Tu vas beaucoup plus vite avec le Yubari qu'avec un cuirassé, hein, excuse-moi, mais. Pour moi, c'est clair que le cuirassé est beaucoup plus lent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long. D'ailleurs, j'aimerais bien essayer le Osho, moi, plus tard. Donc, le Osho. Ouais, Osho. Donc, je propose qu'après cet épisode terminé, on reprenne le Kawasaki et essayer de débloquer le Osho porte-avions japonais. Ça te va? Oh, je sais pas. Faut voir... Ça dépend. Mais on fera pas ça en vidéo, hein, je vous rassure. On a déjà fait le Yubari, je pense. Non, pas le Yubari, l'autre là. Le. Putain, j'ai déjà oublié le nom. Le Kawasaki. Bon, alors tu le prends ton bateau? Attends, je regardais juste si je pouvais pas acheter un 4. Je ne pense pas, non. Allez, voilà, Yubari. Attends une minute, je regarde. Ok, non, je peux pas non plus acheter niveau 5, c'est dommage. Bon, on fait vite fait une petite ellipse et on se retrouve directement en partie. Eden Hazard. Bon, voilà, fin de l'ellipse et on s'en fout d'Eden Hazard, c'est clair. Donc, je vais essayer de te rattraper. Moi, normalement, je suis censé être plus rapide que toi, étant donné que j'ai un peu à destroyer. Bon, t'as un croiseur, hein, ça va vite aussi, mais normalement, je suis censé aller plus vite. Ouais. J'ai un croiseur avec deux bêtes tourelles de... De branquignoles dessus. Moi j'ai une tourelle de canon à l'arrière. Enfin c'est pas vraiment une tourelle hein. C'est des canons à nu avec deux canons soudés.
J'en ai au milieu. Qu'est-ce que j'ai déjà? J'ai 4 lance-torpilles de 3 torpilles. J'ai au centre 2 canons doubles. Enfin, 2 canons jumelés. Si les gens jouent à. Comment ça s'appelle déjà? Ça s'appelle. Non, putain. Warhammer, voilà, Warhammer. Ils doivent savoir ce que c'est qu'un canon jumelé. Évidemment, c'est pas du tout un jeu sur PC, sauf si vous prenez les Dawn of War, mais bon, c'est pas. Enfin, bref, je vais pas m'étendre sur le sujet. Et j'ai aussi un canon jumelé à l'avant, ce qui fait un total de 5 canons. Ah non, 4 canons sur mon bateau. 4 canons jumelés, ça veut dire à peu près 8 tirs sur le bateau. Et plus 4 lance-torpilles de 3 torpilles, ce qui fait 12 torpilles que je pourrais envoyer en même temps. Enfin non, pas en même temps, parce que c'est sur chaque bord. Il y a 2 lance-torpilles sur chaque bord. Ah, donc j'ai plutôt un vachement bon bateau. Hein. Franchement, il est pas mal. Si j'arrive à me rapprocher assez près des ennemis, évidemment. Mais bon. T'as vu, je te rattrape, t'es plus qu'à 8 km 8. C'est encore beaucoup. Hein. Tu fais combien de kilomètres? Enfin, de nœuds, désolé, pas kilomètres heure. 34,9. 34,9. 35. Je fais 35,3. À mon avis, je te rattraperai pas. Tu vas trop vite. 35, ah là. Je fais 35,3 à la vitesse où je vais. Je peux attendre vachement longtemps avant de te rattraper. Tu veux pas mettre aux 3 quarts de vitesse? Je vais tourner, donc... Ouais, mais moi aussi, je vais tourner. Enfin, en soi, je tourne beaucoup plus vite que toi. Hein, mais... Pas sûr, ça. Voilà, j'ai fini de tourner. Ah ouais, c'est vrai que le bateau que t'as pris est connu pour virer extrêmement vite. J'avais oublié ça. Ah, destroyer à ta droite. Ah ouais, je l'ai tiré dessus et je l'ai gravement endommagé. Il est gravement endommagé, moi il est trop loin, il est à 8 km. Wouhou! Je vire vers lui, tu y vas aussi ou pas? Bah ouais, mais j'ai un problème parce que j'ai 2 destroyers, un croiseur en visu. Ah, je vais peut-être me taper l'allié là. Voilà. Tu devrais peut-être un peu attendre qu'on se ramène. Moi et l'allié qui me suit depuis... Enfin non, il me suivait pas depuis longtemps, mais bon, il me suit maintenant. J'ai des amis, t'as vu? J'ai des amis! Oh putain, j'arrive pas à le toucher, il anticipe mes tirs. Ouais, de toute façon, je tire trop près. Boum! Connard. Merde, j'ai crevé. Oh, tu t'es pris une torpille, mais t'es pas mort. Non, toujours pas. Ah, je lui ai pété son moteur. Et toi, tu l'as mis en feu, je pense. Ah, je lui ai repété son moteur. J'arrête pas. Oh, là, je suis mort, là. J'ai ma barre qui est pétée. Ah, moi, je suis mort aussi. Ouais, tu vas te prendre pas mal de torpilles dans la gueule. Bon, bah, pauvre Edak, hein. Tu me regardes? Ah, ouais, je te cherche. Mais normalement, je suis à la fin quand c'est comme ça. Quand c'est comme ça, t'es à la fin, t'es sûr? Souvent, ouais. Libération du smoke. Smoke generator started. Je fais un demi-tour complet et je vais essayer de me taper le croiseur. Cette fois-ci, je me suis pas trompé. Le croiseur qui est là-bas. En essayant de pas me faire rattraper par le cuirassé qui est juste derrière. Enfin, en soi, je crois que j'aurais plus facile à niquer le cuirassé avec mes torpilles que le croiseur. Mais bon, je peux essayer. Alors, est-ce qu'on a des alliés dans le coin? J'ai un cuirassé avec moi et le croiseur qui se barre. C'est dommage. Donc, essayons de se rapprocher de la berge. Ah, mon smoke se recharge. 2 minutes 25, c'est une blague. C'est super long. Tu me vois ou pas? Ouais, ouais, je te vois. 3 km 4. 3 km 3.
Boum, prends ça dans le cul, connard. Attention au cuirassé. Pouvoir bientôt tirer là. Tirer déjà. Hop. Arrête. Wow. Je me suis pris un sacré coup dans le cul, moi. J'adore ça, salope. Oh, c'est violent. Oh putain. Comment t'as dit ça, quoi? Je crois que je vais pas le toucher. Non, je l'ai pas touché, quel dommage. Ah non, je vais mourir, je pense. Ah, je crois que t'as crevé. Vas-y, tourne, 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 tourne. Allez, tourne. Putain, fais chier. J'allais bientôt l'avoir avec mes torpilles. Bon, on va finir cette vidéo sur cette note joyeuse, hein. Je sais pas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas non plus à aller voir mes autres vidéos. Au revoir à toutes, à tous et à plus. Au revoir.